Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Back to School 2018 de la seconde vers la première ES. Préparation en mathématiques pour les classes de première ES. Je vais vous proposer un QCM avec 12 questions. Je vais lire les questions une par une. Vous pourrez mettre en pause la vidéo pendant cette lecture de l'énoncé. Et je vous propose, à la suite de cette vidéo, un corrigé du QCM. Ce sujet comporte des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Reportez sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte il n'enlève aucun point. Aucune justification n'est demandée. 1. La somme pi plus 3 est un élément de l'ensemble. Réponse A, n. Réponse B, z. Réponse C, q. Réponse D, r. 2. L'écriture simplifiée de l'expression 9 racine de 8 plus racine de 72 moins racine de 242 est. Réponse A, moins 77 racine de 2. Réponse B, moins 13 racine de 2. Réponse C, moins racine de 2. Réponse D, 13 racine de 2. 3. L'image de 5 par la fonction f qui a x associe 2 sur x moins 5 est. Réponse A, moins 23 cinquièmes. Réponse B, moins 3 cinquièmes. Réponse C, 0. Réponse D, 23 cinquièmes. Pour les questions 4, 5 et 6, on munit le plan d'un repère orthonormé OUV et on a placé les points A, B, C, D sur le plan. 4. Les coordonnées du point B sont réponse A, moins 2, moins 4, réponse B, moins 4, moins 2, réponse C, 2, 4, réponse D, 4, moins 2. Les coordonnées du vecteur DA sont réponse A, moins 4, moins 5. Réponse B, moins 4, 5. Réponse C, 5, 4. Réponse D, 4, 5. On sait de plus que ABCD est un parallélogramme. Alors, réponse A, le vecteur AB est égal au vecteur CD. Réponse B, le vecteur AC est égal au vecteur BD. Réponse C, le vecteur AD est égal au vecteur CB. Réponse D, le vecteur AD est égal au vecteur BC. Pour les questions 7 et 8, on considère la série statistique constituée des notes obtenues par les 36 élèves d'une classe de seconde, un DS de mathématiques. 7. Quelle est la moyenne des notes obtenues par les élèves de cette classe de seconde, à 10 moins 2 près? Réponse A, 9,89. Réponse B, 10,22. Réponse C, 10,44. Réponse D, 11,01. Sophie a obtenu la note de 9 à ce DS. Dans quel quart de classe se situe-t-elle si on range les notes dans l'ordre croissant? Réponse A, le premier quart. Réponse B, le deuxième quart. Réponse C, le troisième quart. Réponse D, le dernier quart. Une fermière vend 3 canards et 4 poulets pour 70,30 euros. Un canard et un poulet valent ensemble 20,70 euros. Quel est le prix d'un canard? Réponse A, 8,2 euros. Réponse B, 10 euros. Réponse C, 11,2 euros. Réponse D, 12,5 euros. On dispose d'une urne avec 10 boules rouges et 2 boules bleues. Les boules sont indiscernables au toucher et on tire au hasard une boule dans l'urne. On note sa couleur et on ne la remet pas dans l'urne. On effectue un deuxième tirage de la même façon. Quelle est la probabilité de tirer les boules bleues au bout de deux tirages sans remise? Réponse A, 1/66e.
Réponse B, 1/72e. Réponse C, 15/22e. Réponse D, 10/12e. Soit B, la fonction bénéfice d'une entreprise définie pour X appartenant à l'intervalle 0,26, X représentant un nombre d'objets produits, par B de X est égal à moins X carré plus 26X plus 1500. En remarquant que B de X est égal à moins X facteur de X moins 26 plus 1500, quel est le bénéfice maximal de l'entreprise? Réponse A, 0. Réponse B, 26. Réponse C, 1500. Réponse D, 1669. 12. On lance 3500 fois une pièce de monnaie et on obtient 1810 fois pile. L'intervalle de confiance au seuil de 95% de la proportion P, nombre de fois où l'on obtient pile par rapport au nombre de lancers au total, est donné par... Réponse A, l'intervalle fermé 0,50024, 0,534046. Réponse B, 0,495954, 0,49776. Réponse C, l'intervalle fermé 0,26-71-51, 0,26-77-22. Réponse D, 0,46-36-91, 0,57-05-95. Alors, pi plus 3. Pi est un nombre irrationnel. Donc, ici, parce qu'en fait, la partie décimale est infinie, mais n'est pas périodique. Donc, pi plus 3, eh bien, c'est à peu près égal à 6,1415, 9, etc., etc. 6,1415, 9, on ajoute, en fait, à pi un nombre entier. Donc, on ajoute juste une partie entière de 3. Donc, on va trouver 6. La partie décimale reste intacte. Donc, ici, on a un nombre irrationnel. Donc 6,1415 appartient à R. Donc réponse D. Alors on va simplifier les racines, sachant que, on rappelle, racine de A fois B, racine de A fois B est égale à racine de A fois racine de B. Donc ici, on peut dire que racine de 4, donc racine de 4 c'est 2, racine de 9 c'est 3, racine de 16 c'est 4, etc., etc. Donc si racine de A au carré, eh bien c'est A. Alors, on veut simplifier l'expression 9 racine de 8 plus racine de 72 moins racine de 242. Alors 8, eh bien c'est 4 fois 2. 72, eh bien, si on divise par 2, ça nous fait 36 fois 2. Et là, si on prend la racine de 36, bien entendu, ça va nous faire 6. 242, 121, fois 2. Or, 11 au carré, bien, c'est égal à 121. Donc ici, racine de 121, ça va nous faire 11. Donc ça nous convient. Alors, ici, on va pouvoir sortir 2. Donc, racine de 4 fois racine de 2. Plus racine de 36 fois racine de 2, moins racine de 121 fois racine de 2. Donc on va pouvoir factoriser par racine de 2. C'est ce que suggèrent les réponses de QCM. Donc 9 fois 2, racine de 2, plus 6 racine de 2, moins, donc racine de 121, on avait dit que c'était 11, 11 racine de 2. 18. Plus 6, moins 11, facteur de racine de 2. 18 moins 11, ça nous fait 7, plus 6, ça va nous faire 13. 13 racine de 2. Ici, 13 racine de 2, réponse D. Alors, f de x, ici, c'est égal à 2 sur x, moins 5. Donc on remplace x par 5 pour avoir l'image de 5 par la fonction. Donc ici, f
f2, 5. Eh bien, c'est 2 sur, ici, 5, moins 5. Alors, on va mettre au même dénominateur. Ici, on a sur 1, donc la mise sur le même dénominateur, ça va être sur 5. Ici, sur 5, donc 2 va rester, moins 5 fois 5, 25. Donc, 2 moins 25 sur 5. Donc ici, on va trouver moins 23 cinquièmes. Moins 23 cinquièmes, c'est la réponse A. Alors, le repère orthonormé, on veut les coordonnées du point B. Donc on part de l'origine. En x, on va vers moins 4. On va vers moins 4. Et ici, pour aller vers B, on va moins 2 en y. Donc moins 2 en y. Ici, moins 2 en y. Donc ici, coordonnées de B. Coordonnées de B, donc ici les coordonnées de B, eh bien ça va être moins 4, moins 2. Donc réponse B. Les coordonnées du vecteur DA. Alors DA on le trace ici, donc DA. Voilà. Alors on peut avoir les coordonnées de D. Coordonnées de D, ça va être 3, 4. Donc 3, 4, coordonnées de A, moins 1, moins 1. Donc ici, vecteur DA est donné par XA moins XD, YA moins YD. Donc ici DA, on peut avoir, donc ici DA, XA moins 1, moins 3, moins 1, moins 4, moins 4, moins 5. DA moins 4, moins 5, c'est la réponse ici A. Alors on rappelle la propriété à savoir pour le parallélogramme. ABCD est un parallélogramme si et seulement si, si et seulement si, on a AB égale à DC où AD est égal à AD est égal à BC. AB, AD est égal à BC. On le voit ici, AB est égal à DC. AB est égal à DC. Donc c'est pas la réponse A. AB est égal à CD. AB est égal à CD. Non. AC, donc là on est sur les diagonales, AC, BD, pas de vecteurs égaux. AD, donc AD et CB, ce n'est pas bon. Donc ici, ça va être la réponse. D, AD, le vecteur AD est égal à vecteur BC. Alors ici, on aura besoin d'un tableau avec les effectifs. Alors on va compléter, donc ici on va mettre note effectif, note, ici note et effectif. Donc on va essayer de repérer les notes dans l'ordre croissant. Donc ici on a un 2, ici on a un 5, 6, on a un 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on a 16, on a 17 ici, 18, est-ce qu'on a 19? Non. Est-ce qu'on a 20? Non. Alors, effectif, ici, il y en a 1, 2, ici, 1, 2. Alors, pour le 5, alors je vois 2, 5. Bon, après, bien entendu, on vérifiera les effectifs total. 3, 6,
2, 7, 4, 8, 3, 9, 3, 10, 2, 11, 6, 12, 13, 2, 13, pardon, 2, 13, 3, 14, 2, 15, 1, 16, 1, 17 et 1, 18. Effectif total. Effectif total. Donc ça fait 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 4 plus 3 plus 3 plus 2 plus 6 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1. 36 élèves, donc ici on a 36, donc c'est bon. 36. Alors, pourquoi j'ai fait ce tableau d'effectifs ? Ça va nous servir aussi pour la médiane et les quartiles. On pourrait faire 8 plus 7 plus 12 plus 18 plus etc. plus etc. Mais là, on a regroupé, donc il y aura moins d'addition à écrire. Donc ici, la moyenne grand M, ou X bar si vous voulez, 2 fois 1 plus 5 fois 2 plus 6 fois 3, etc. etc. Donc divisé par 36. Sur 36. Donc 2 fois 1 plus 5 fois 2 plus 6 fois 3 plus 7 fois 2 plus 8 fois 4 plus 9 fois 3 plus 10 fois 3 plus 11 fois 2 plus 12 fois 6 plus 13 fois 2 plus 14 fois 3 plus 15 fois 2 15 fois 2 plus 16 fois 1 plus 17 plus 18. 376. 376 divisé par 36. 376 divisé par 36. 10,44. 10,44. Et donc réponse C. Alors médiane, Q1 et Q3. Alors on pourrait les avoir sur la calculatrice directement. Si on va faire la méthode de calcul. Grand N est égal à 36. Donc ici, N sur 2, ça va être 18. Donc ici, on va voir. Donc on peut regrouper ici 18 et 18. Donc ici, ça va être X18, X19. Donc la médiane, ça va être X18 plus X19 divisé par 2. Donc ici, effectif cumulé. Donc ici, on peut faire cumulé. Donc cumulé. Donc ici 1, 3, 6, 3, 6, 8, 12, 15, 18, 20, 26, 28, 31, 33, 34, 35 et 36. Donc ici X18, donc là on a X1, X2, X3. Donc X18 ça va être 10, plus donc 19 va faire 11, divisé par 2, on va avoir 10,5. Donc la médiane c'est 10,5. Alors Q1, 36 divisé par 4, on a 9. Donc la 9e note ici ça va être 8. 9e note c'est 8. Et ici, donc, n sur 4, c'est 30, c'est 9. 3z sur 4, ça va être 27. 27, on est à 13. Donc, Q3 égale 13. Sophie ayant obtenu 9, elle est entre Q1 et la médiane, donc elle est au deuxième quart. Donc, réponse B. Alors, on va pouvoir recopier le tableau sur la calculatrice. Statistique. Donc, ici, 2, 1. 5, alors on va mettre les effectifs plus tard, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ici 1, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 6, 2, 3, 2, 1, 1, 1. Alors si on va dans la statistique, alors, ici, la moyenne, c'était 10,44.
Premier quartile 8, troisième quartile 13, et ici on dit la médiane 11. Alors ici la calculatrice calcule la médiane d'une autre façon. Donc, bon, de toute façon c'est pas très important parce que on sait d'après nos calculs et d'après les calculs de la calculatrice, 9 est compris entre le premier quartile et la médiane. Et donc ici cela valide que donc pour la question 8, on est bien au deuxième quart de la classe. 9. Alors ici, un système d'équations à résoudre. On notait C, le prix d'un canard. Prix d'un canard. Et on va noter P, le prix d'un poulet. Alors première phrase, on sait que 3C, donc ici, 3C plus 4P égale à 70,30 euros. On sait aussi que C plus P est égal à 20,70 euros. Alors, ici, bon, on va utiliser la méthode par substitution. La méthode par substitution. Ici, deuxième ligne, on écrit P en fonction de C, et première ligne, on remplace la valeur de P, donc la valeur de P en fonction de C. On a ainsi ici, donc P est égal à 20,70 moins C, 3C plus 4 fois donc 20,70 moins C égale à 70,30. On va obtenir donc ici 4 moins 4C, donc 3C plus ici 4 fois 7, 28, donc 82,8 moins 4C est égal à 70,30. P est toujours égal à 20,70 moins C. 3C moins 4C moins C. 70,30 moins 82,8. On va trouver moins 12,5. P est égal à 20,70 moins. Donc ici, C. On ne connaît pas la valeur de C. C est égal à, donc si on multiplie par moins 1. Moins 1, moins 1. C est égal à 12,5. Et ici, P. 20,70 moins 12,5, on va trouver 8,2. Le prix d'un canard est de 12,5 euros, le prix d'un poulet est de 8,2 euros. Ainsi, C va être la réponse, donc prix d'un canard, réponse D. Alors, ici, tirage sans remise, donc on peut premier tirage, on a soit une boule rouge, soit une boule bleue. Ici, on va avoir donc ici soit une boule rouge, soit une boule bleue. Pourquoi ? Parce que ici, il y a deux boules bleues, donc si on tire deux boules, il n'en restera plus que. Donc ici, 0. Alors, ici, probabilité. Donc tirer une boule rouge, eh bien c'est 10 sur combien de boules ? Bah 12. Et en B, donc pour tirer une boule bleue au premier tirage, 2 sur 12. Ici, il faut faire attention, on retire une boule de l'urne. Donc là, on retire une boule rouge de l'urne. Donc ici, ça va faire sur 11 et il va rester 9 boules rouges. Ici, sur 11. Mais comme on n'a pas tiré de boule bleue ici, eh bien, ça fait 2 sur 11. Pareil, ici, sur 11, il y reste 10 boules rouges au deuxième tirage si on a tiré une boule bleue au premier, 10 sur 11, une boule bleue au deuxième tirage, donc 1 sur 11. Donc la probabilité de tirer deux boules bleues, donc ici si on note R1, R2, B1, B2, donc B1, on a tiré une boule bleue au premier tirage,
Donc ici, notre probabilité à calculer, eh bien, ça va être la probabilité de P1 inter P2. Donc ici, 2 sur 12 fois 1 sur 11. Ici, bah, c'est 2 sur 12 fois 11. Eh bien, ça fait 2, 1, 132, et donc 1 sur 66. Donc ici, réponse A. Alors B de x est égal à moins x carré plus 26x plus 1500. Alors on peut identifier les coefficients de ce polynôme, polynôme du second degré. A est égal à A égal à moins 1, B est égal à 26, C est égal à 1500. Alors le maximum, ici A est négatif, donc il va avoir un maximum. Maximum. Maximum en x est égal à, donc le maximum étant x est égal à moins b sur 2a, moins b sur 2a, moins b c'est moins 26, donc 26, donc moins 26 sur 2 fois moins 1, moins 26 sur moins 2, vous trouvez 13. Donc x est égal à 13, b de 13, donc c'est égal à moins 13 au carré, plus 26 fois 13, plus 1500. Moins 13 au carré, c'est moins 13 fois 13, plus 26 fois 13, plus 1500. Ici, on va avoir 26 fois 13, moins 13 fois 13, plus 1500. Ou encore, donc ici, 26 moins 13, on factorise par 13 ici. 26 moins 13, 13, 13 fois 13, donc ici 169, plus 1500. 1669. Le bénéfice maximal de l'entreprise, c'est bien 1669. Réponse D. Alors ici, intervalle de confiance. Ici, la fréquence observée, ça va être 1810 sur 3500, avec un N est égal à 3500, le nombre de fois où on a lancé la pièce. Alors l'intervalle de confiance, IC, eh bien ça va être F moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Alors ici on aura 1810 sur 3500, moins 1 sur racine de 3500, 1810 sur 3500, plus 1 sur racine carrée de 3500. On calcule, ici 1810 sur 3500, moins 1 sur racine carrée de 3500. On va trouver 0,50024. Ici on remplace le moins par un plus. 0,534046. Ici 0,50, 3, 40, 56, ça correspond à l'intervalle A. Réponse ici, A. Alors ici on peut vérifier notre calcul en faisant donc intervalle fluctuation, confidence, donc intervalle de confiance, 1810 sur 3500 sur 3500. Et on trouvait donc 0,50, 0,24, 0,5340.